La revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on célèbre les morts passées et l'on s'émeut des morts présents. Le passé dans Le Parisien aujourd'hui en France, centenaire 1914-1918, souvenons-nous. La Provence, 14-18, la bataille contre l'oubli. Et puisque ce souvenir, c'est aussi parler du présent, Le Figaro, 14-18, quand Hollande rêve d'unité nationale. Les morts présents, ce sont les victimes du dérèglement climatique et non plus de la fureur des hommes. Sud-Ouest, Typhon Haiyan, l'apocalypse. Et puis, il y a des débats qui se poursuivent. Le monde, migrants, l'Europe se barricade, libération, prostitution, une loi racoleuse. Allez, on va commencer cette revue de presse, Natacha, par les commémorations de l'armistice de 1918. Oui, et on trouve de tout ce matin, de l'anecdotique et des récits de guerre redécouverts, de la polémique autour du discours de François Hollande. Mais la question qui agite les éditorialistes est celle de la perpétuation. Comme l'écrit Philippe Vauquant dans Le Républicain Lorrain, plus aucun Français n'a vécu dans sa chair cet événement fondateur de la conscience européenne. Si le temps n'est pas encore à l'enfouissement, écrit-il, il est à la banalisation. Alors, comment se souvenir de l'horreur? Comment la comprendre? Surtout. Ce matin, parmi tous les articles, eh bien, il faut lire dans Le Figaro la page de Jacques de Saint-Victor qui met fin à cette imagerie d'épinal d'un enchaînement fatal vers la guerre. La première mondialisation qui se déployait semblait au contraire assurer la paix. On croit alors, écrit-il, aux illusions du doux commerce comme Montesquieu ou Pascal Lamy en pensant que l'économie va pacifier les mœurs. Il rappelle comment l'Empire austro-hongrois a joué avec le feu et récuse la culpabilité des États-nations. Il rappelle que Jaurès ne croyait pas à l'idée marxiste selon laquelle les prolétaires n'ont pas de nation. Lui, au contraire, distinguait nation et nationalisme, les premières étant souvent, selon lui, la seule protection des pauvres. Sur la page suivante, il faut lire également l'entretien avec Pierre Nora, une réflexion magistrale sur la mémoire. Il traduit le sentiment que nous éprouvons tous devant les monuments aux morts de chaque petit village, à lire ces noms, parfois 6 ou 7 d'une même famille. Mais, dit-il, la société française s'est arrachée au monde qui permettait de comprendre la guerre de 14-18. Depuis les années 80, les poilus sont perçus comme des victimes broyées par une fatalité absurde. L'histoire n'a plus de héros, dit-il, mais simplement des victimes. Une société qui n'a pas de modèle n'a plus de repères. Dans Marianne, l'interview de Jean-Noël Jeannet décline les mêmes thèses. Il déplore également la méconnaissance du passé de la part des politiques actuelles. Quand on n'a pas beaucoup de culture générale, dit-il, de références culturelles, on va en chercher comme des produits au hasard des étagères d'un grand magasin. Mais il faut lire aussi dans Le Monde le texte de Christian Carion, le cinéaste qui a consacré un très beau film aux fraternisations de Noël 14. Il raconte les réticences de l'armée quand il a préparé son film, la question de savoir si ses actions furent anecdotiques. Mais on comprend surtout en le lisant que décidément nous sommes devenus incapables de penser cette époque. Cette époque où des hommes pouvaient mourir en masse et souffrir le cauchemar pour la patrie, mais aussi cette époque où Noël, moment de recueillement et de partage, avait un sens si profond pour ces hommes-là qu'il permettait de dépasser l'espace d'un instant, la guerre, la violence. La mémoire, c'est aussi la capacité de se dépayser pour comprendre ce qui nous est devenu étranger. Natacha, dans la presse ce matin, il est également question de Joinville. Oui, c'est à lire dans Le Monde également, un article terrible sur une bourgade de Haute-Marne, surnommée il y a 40 ans la Petite Bourgeoise, du temps où elle comptait 3700 habitants. Aujourd'hui, le village est en voie de désertification, 1300 habitants en moins depuis les années 80. Les hôtels particuliers du XVIIIe siècle sont soit découpés en appartements par des marchands de sommeil qui récupèrent les allocations de leurs locataires, soit rachetés par des SCI qui les dépouillent de leur sol, de leur cheminée, de leur moulure revendues à prix d'or. La mairie se bat seule, rénove, veut valoriser son patrimoine et elle regarde avec angoisse le village de Brachet à 10 km qui a voté Marine Le Pen à 72% à la dernière présidentielle. Un détour par la case prison dans cette revue de presse. Oui, alors dans Le Figaro, un article édifiant sur la prison de Saint-Quentin-Fallavier en Isère, ultra violente, surendettée aussi, un mélange de populations carcérales différentes, des détenus de plus en plus jeunes qui, selon un syndicaliste, n'ont plus peur de la prison, l'obligation de proximité avec les familles qui fait se regrouper dans une même prison tous les délinquants d'une cité, et alors pour la bonne bouche, l'encadré qui raconte comment un homme en attente de l'exécution de sa peine a été relâché parce qu'il avait la gale. Devant son refus d'être conduit à l'hôpital, dit l'article, et en raison de son comportement agressif, oui, il a été libéré. Oui, absolument, on en a parlé tout à l'heure dans les journaux. Un peu de galanterie ce matin. Oui, le magazine Elle rapporte l'anecdote. Une secrétaire d'État britannique, enceinte de 7 mois, est restée une demi-heure debout lors de débats à l'Assemblée sans que personne ne lui cède sa place. C'était le 16 octobre dernier. Un des membres de son parti a commenté « Penser que parce qu'elle est enceinte, elle ne peut se tenir debout et se débrouiller seule est sexiste. » Et oui, quand les discours féministes et égalitaires se retournent contre les femmes, la ministre gênée n'a
pas vraiment protesté. Toutes les femmes enceintes qui vont rester debout dans le RER avec les jambes qui gonflent et le dos abîmé la remercient. Oui, merci, effectivement. Le petit clin d'œil ? Oui, bah, c'est aussi dans le magazine Elle. Juste avant un article passionnant sur le combat des sages-femmes pour faire reconnaître leurs compétences, bah, y a un article indispensable sur Nabila. Ça faisait longtemps, hein. Oui, histoire de vérifier que le féminisme peut prendre toutes les formes. Alors, elle parle de la célébrité, raconte qu'une de ses amies d'enfance lui aurait récemment volé une mèche de cheveux pour l'envoûter, croit-elle. Elle explique que le mannequinat ne l'attend pas, hein, soit belle et tais-toi, être lambda, très peu pour elle. Elle raconte les conflits entre sa mère italienne et son père algérien, pour qui faire de la télé et plaire aux hommes, c'est faire la pute. Et même si elle trouve que les femmes ont de trop petits seins, elle valide leur truc, dit-elle, se dénuder pour se faire entendre. Alors on se demande, les journalistes de Elle ont-elles compris qu'une dinde écervelée à qui elles offrent une tribune, sans doute pour faire du second degré, démontre par l'absurde qu'on ne peut pas impunément tout mettre sur le même plan. Et j'ose espérer que Nabila écoute votre revue de presse ce matin sur Europe 1. Ah, oh, j'espère. Ah oui, sinon c'est moins drôle. Merci beaucoup, c'était la revue de presse de Natacha Polony. Merci Natacha et à demain.